cette semaine, on s'en va à Bangkok, en Thaïlande. Après avoir passé 4 jours à Phuket, on prend un court vol d'à peu près 1h30 pour se rendre jusqu'à Bangkok, où est-ce qu'on va passer 2 jours pour explorer ce qu'on peut. Une chambre privée dans un hostel. Donc, on a notre chambre à nous et on partage les salles de bain avec les autres personnes qui sont ici. Notre chambre, vraiment, c'est un lit, des belles décorations. Puis en plus de ça, il y a du macramé. J'adore le macramé. En dessous du lit, il y a des compartiments pour mettre nos sacs. C'est vraiment juste un lit. Donc, c'est le fun que les compartiments sont en dessous pour pouvoir mettre nos choses. Prise d'électricité, air climatisé. Il y a aussi du Wi-Fi qui est disponible. Puis en plus de ça, c'est à Bangkok. Bangkok, c'est une ville où est-ce que ça bouge beaucoup, mais ici, t'as vraiment l'impression là, d'être dans une petite famille, si on veut. Là. C'est super tranquille, il y a des arbres partout, il y a des chats, c'est vraiment bien. Il y a un beau balcon, venez voir ça. C'est notre chambre. J'ai touché un petit peu au chat, mais il n'y a pas la rage parce qu'il est ici puis c'est beau ici. Quand c'est beau ici, il n'y a pas de rage. Attention à ta tête. On vient d'arriver à Bangkok. On n'a pas mangé à des heures régulières du tout pendant le voyage. Notre vol, c'était un vol d'après-midi, mais on n'avait pas dîné parce qu'il fallait aller à l'aéroport. On est à Kenny's Barbecue dans Bangkok, près de notre hostel. On vient de commander des choses. On vous montre ce qu'on a commandé. Ça s'appelle les corn ribs avec de la sauce marinara. Toutes des choses qu'on a à la maison. Oh, c'est bon ça. En plus d'être un endroit vraiment magnifique, là, t'as le déjeuner compris. Le déjeuner est vraiment, vraiment fancy. C'est vraiment cute. Ça n'a aucun sens. Oui. Bangkok! Ok, je me suis laissé emporter un petit peu. Ici, c'est l'aire commune du hostel. C'est vraiment, vraiment spécial parce que c'est comme une genre de petit appartement. Il y a un genre de salon ici avec une chaise. Un pouf pour relaxer. Tu peux juste. Faites un défi. On a 300 bahts à dépenser pour de la nourriture. Chacun. On goûte! Okay. La barrière de la langue ici, on voit vraiment une grosse différence. Ça prend vraiment l'application, des photos. Elle va nous montrer là, sur une calculatrice le prix. Donc c'est vraiment différent. Fais comprendre. C'est du fried rice avec des petites épices. Délicieux ou ça l'est pas? Un peu délicieux. Bon, un petit œuf. Là, on a découvert que la Thaïlande aime beaucoup les saucisses. Quand on parle de saucisses, c'est des wieners. Toutes sortes de wieners. Les wieners, c'est des saucisses hot dog. Pas des saucisses chez le boucher. Il y a beaucoup de street food, il y en a pour tous les goûts. Honnêtement, on a marché 5 minutes, on a dû voir là, une cinquantaine d'endroits différents. Là, j'ai trouvé quelque chose qui dit « Hey, you're not in Kansas anymore ». Il y a 6 ça, j'ai choisi un mix. Je pense que ça va être la première chose qu'on finira peut-être pas. Là, madame rien de moi. Moi et Adrienne, on vient de faire un choix. Avant de manger ce que j'ai dans ce sac-là, ça va nous prendre de l'eau, juste au cas. C'est vraiment, vraiment délicieux.
petites antennes. C'est parce qu'on en trouve dans le sous-sol des fois. Là. Il y a des larves, des criquets, des criquets noirs. Je sais pas c'est quoi ça. Ceux-là m'inquiètent un peu plus. Tu commences avec quoi? Ils ont mis du poivre et de la sauce soya. On va garder l'eau proche. Okay, je commence avec un criquet. Des petits criquets blancs, là. Ça goûte absolument rien. Ça goûte les chips d'ail. Les chips que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans l'armoire, là. Tu sais, celles de chez vos grands-parents dans le temps, là. Au lieu d'être croustillantes, ils étaient molles un peu. J'ai la peur. C'est juste parce que vous vous êtes regardé avant de manger. Ça goûte bon, mais c'est juste que je sais que c'est une bébite. Voilà, c'est texture différente. Les autres, les pâtes pensaient que c'était croustillant. Ça, c'est. Pâteux un petit peu. Criquet noir. Oh, il me tente pas. Goûte comme les autres. Sauce soya un peu. Insecte mystère. Ça donne une grosse fourmi. Je pense que c'est une grosse fourmi. Ah, je mangerai pas ça. Là, la coquille est un petit peu plus. Là, j'ai l'impression que. Elle ne voudra pas descendre. Ah, oui, on est là. J'aurais pu faire 3 semaines après ça. Il y a beaucoup de travail mental à faire. Pas si bien que ça. Avec plein d'honnête, là. Regardez ça dans l'avion. Ça s'appelle Jelly Beauty. Collagène, vitamine C. C'est comme du petit jello d'hôpital, mais fancy. C'est vraiment bon. Une chose qui se transmet pas dans les vidéos, c'est l'odeur. Quand on passe à côté des petits kiosques et des petites ruelles, là, ouh, toutes sortes de choses qui te passent sous le nez. Je sais pourquoi qu'elle trouve bon. Puis honnêtement, il y a des belles choses. J'ai trouvé un bracelet. C'est à peu près là, 8 $10 avec un petit bargainage un petit peu. Là. Non, mais je suis vraiment contente. C'est vraiment cute. Une chose, si jamais vous venez au marché Chatuchat, c'est un labyrinthe. Il faut se servir de Google Maps pour savoir où est-ce qu'on est dedans. Puis c'est un labyrinthe où est-ce qu'il fait chaud. J'ai même chaud. Donc il fait chaud. Comment ça l'entendre plus souvent, celle-là? Je pense qu'elle est humaine. Finalement, très bohème ici. On vient de sortir du marché Chatuchak. C'est vraiment une belle expérience. Il y a des magasins partout. Honnêtement, on n'est pas trop des gens là, qui aiment magasiner en voyage, mais ça vaut vraiment la peine d'aller là parce qu'il y a plein de choses, des vêtements, il y a plein de cossins. C'est vraiment cool. Ça coûte pas cher. Ok, c'est pas tout à fait de la qualité qu'on voit dans le pays, mais ça coûte vraiment pas cher. Puis c'est une expérience en soi, même si tu y vas et tu n'achètes absolument rien, c'est vraiment spécial. Puis c'est une expérience sensorielle. Hein? Tu entends toutes sortes de choses, tu vois, tu sens. C'est vraiment, vraiment une belle expérience. Oups.
L'expérience en Thaïlande. Le tuk-tuk. Saison des pluies. Excuse me, how much? 150 bahts pour un scorpion, 450 pour une tarentule. Je n'aurais mangé, je vous le garantis. C'est juste que je suis cheap et on n'a plus beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas faim. Je peux trouver d'autres façons de vomir. J'ai toujours voulu avoir un tatou, mais là, je vais essayer voir si j'aime ça, parce qu'après deux semaines, c'est parti. One night in Bangkok, au moins, c'est pas un tatou dans le visage. Si vous venez en Thaïlande, ça vous prend de la monnaie, du cash. Parce que tous les petits stands que vous voyez partout prennent pas de carte de crédit. Les taxis prennent pas de carte de crédit, les restos, il y en a qui prennent pas de carte de crédit. Donc, pour la plupart des voyages qu'on a fait, la carte de crédit, c'était idéal. À Thaïlande, beaucoup moins. Wow! Là, je fais semblant que je cherche pour quelque chose, mais en fait, c'est juste parce que je veux profiter de l'air climatisé. C'est juste ça. Fait que je regarde un peu. Non, c'est pas ça que je veux faire. Faisait partie de la pharmacie. Là, je me suis dit, oh, c'est cute ça! Le mango rice, c'est comme la salade grecque en Grèce. Il y en a partout, c'est vraiment quelque chose à manger ici, c'est délicieux. La façon de manger le sticky rice avec les mangues, c'est vraiment de prendre une mangue, ensuite de ça, tu prends le riz. Ce matin, j'en ai mangé, mais j'ai comme mangé ça à part, puis je comprenais pas trop. Mais là, la meilleure façon, c'est ça, c'est mangue, ensuite de ça, le riz. Il y a comme une petite sauce au coconut. Ça vaut vraiment la peine d'attendre le soir pour te promener dans les rues parce que c'est vraiment là que ça se passe et c'est vraiment le fun de te promener et de voir toutes les lumières, les restaurants, les choses à vendre. Ça a un petit cachet vraiment spécial. Si vous pensez que vous avez une belle expérience le jour, le soir, c'est une toute autre expérience. Le monde double et l'atmosphère est super plaisante. Fait que vraiment le fun. Environ une heure, on était assis dans un resto. Peut-être déçu parce qu'on avait choisi que c'était trop de troupes, c'était trop cher d'aller à d'autres endroits. Et on était pour rester sur la petite rue qui était Causan Road. On pensait que c'était tout petit. Après souper, on est parti, on a marché un petit peu, puis on a découvert une rue qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue que ça. Puis l'atmosphère est super, les lumières, les restos. Vous pensez que Causan Road, c'est tout petit, non, c'est beaucoup plus. En plus de ça, ça fait même pas partie du Red Light District. Donc, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de danseuse, il n'y a pas de toutes ces choses-là. C'est très propre. Ici, il y a plein de places pour faire des massages de pieds. C'est la première fois qu'on fait ça. Dad, je suis comme toi pour ça. Là. C'est bizarre pour moi. C'est ça, mais ça a l'air de ça. Tout le monde le fait. Nous aussi, on le fait. Pour toi. Ici, il y a des massages de pieds. Toujours aux pieds de tous les étrangers. Et madame, il a proposé ça. Non! Et puis là, il a les jambes assez. Il a commencé des massages. On n'est pas habitué d'avoir ben du poil ses jambes ici, les Asiatiques. C'est notre première expérience de massage en Thaïlande. Honnêtement, moi j'ai adoré, là. C'était vraiment, je dirais, plus dormir. Moi j'ai jamais été un fan des massages. Ça a confirmé. Ça fait mal. C'est pas relaxant, ça fait mal. Ça. Il y avait la face noire. Comme c'est pas là. Correct qu'une étrangère que je connais même pas, qui vient de l'autre bout de la planète, ait le droit de me faire mal comme ça. Puis en plus de ça, faut que je la paye. Hein? Je suis contre ça. C'est vraiment agressif. Honnêtement, là, j'aurais pu dormir.
La prochaine fois, je te donne la mienne aussi. Pas heureux. J'ai mal. C'était bizarre parce que quand on leur a dit que oui, on était pour prendre un massage, là, tout le monde est disparu, ils sont allés en dedans. Donc là, on trouvait ça bizarre un peu. Quand ils sont venus, on a figuré que c'était arrivé. Ils ont fait roche, papier, ciseaux. Parce que Dan, il est plein de poils. Puis moi, ben, on vient de Piquette, puis j'ai comme des moustiques qui m'ont piqué un petit peu partout. Des petites puces de sable, tout ça. Fait qu'après, des petits bobos sur les pieds. Ça. Ils se sont battus pour savoir qui avait le poil et qui avait le bobo. C'est un petit peu trop d'informations. Hein? Ben, maintenant, on se connaît bien. Au Cambodge. Si vous avez aimé ça, allez voir nos autres vidéos qu'on a mis sur la Thaïlande ou revenez la semaine prochaine. La meilleure façon de faire ça, c'est de s'abonner. Faites un petit like aussi. Bye. 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 Les cabines téléphoniques sont différentes ici. Regarde le téléphone. J'ai même pas besoin d'être dans la cabine pour parler au téléphone. On va attendre que la fan arrive parce que c'est beau avec le vent. C'est comme vraiment beau. C'est vrai que c'est beau avec le vent, hein?